de l'Église. Jésus-Christ dit, l'enlèvement de l'Église se déroulera simultanément la nuit, en plein jour, très tôt le matin, en une seule phase. Tous ensemble dans le monde entier, nous monterons en même temps à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Cet événement unique qui se passera à une seule phase trouvera d'autres chrétiens la nuit en train de dormir. Trouvera d'autres chrétiens sous un soleil de plomb en train de travailler. Et d'autres encore seront trouvés le matin à l'heure de la fabrication de pain pour le petit déjeuner. Le but de ce message est de vous montrer qu'il n'y aura pas deux enlèvements, qu'il n'y aura pas trois enlèvements, il n'y aura jamais plusieurs enlèvements, il y aura un seul enlèvement. Alors, une seule question s'est posée. Comment il y aura un seul enlèvement? Tandis que Jésus-Christ avait dit, il trouvera d'autres personnes en train de dormir. Il va prendre une, l'autre sera laissée. Les autres vont être pris le matin en train de préparer le petit déjeuner et les autres pendant la journée sous un soleil de plomb en train de travailler. Pour comprendre les mystères de l'air révélés par Jésus-Christ, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et soyez attentifs, s'il vous plaît. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'air, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. En disant cela, premièrement, Jésus-Christ nous mettait en garde contre toute personne animée par des esprits, des faux anges qu'on appelle démons, qui viendraient nous dire une date d'une année quelconque. Grâce à cet avertissement, aujourd'hui, plusieurs se sont fait dénoncer comme étant de faux prophètes. Sur ces propos, nous allons vous citer quelques-uns. La liste est longue, mais nous avons retenu 5 preuves à l'appui. En première position, William Marion Branham. En juin 1933, William Marion Branham prophétisa que le retour de Jésus pour l'enlèvement sera à 1977. Sans commentaire ni parti pris, arrivé à 1977, la prophétie ne s'est jamais réalisée. Quelle déception! En deuxième position, Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Il prophétisa 4 fois, pour 1878, 1881, 1914 et 1915. Des prophéties non réalisées. Quelle confusion! En troisième position, l'Église des Adventistes du septième jour, par son prédicateur William Miller, prophétisa que le retour de Jésus serait en 1844. Sa prophétie ne s'est jamais réalisée jusqu'aujourd'hui. Et même surnomma cette journée le jour de la grande déception. En quatrième position, les Mayas qui ont prophétisé que la fin du monde serait en 2012. Jusqu'aujourd'hui, cela ne s'est jamais réalisé. Quelle honte! En dernière position, le célèbre Nostradamus qui prophétisa qu'en 1999 serait la fin du monde. Nous vous rappelons que nous sommes en 2024 aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ en disant, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Le Seigneur Jésus-Christ nous témoignait son humilité en acceptant sa position du Fils, bien qu'il était Dieu, comme son Père Dieu. Dès sa naissance, il a été appelé Fils. Suivons l'extrait. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Oui, exactement. Lui-même le témoignait ouvertement
qu'il était le Fils et qu'il était envoyé sur la terre par son Père. C'était sa façon de nous faire comprendre qu'il n'agissait pas de son propre chef, mais il était soumis à celui qu'il avait envoyé, à l'occurrence, le Père. Car, bien qu'il soit de même nature divine que son Père, c'est-à-dire Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est le Fils. Il était donc en train de nous dire que, lorsqu'il reviendra à la seconde venue pour chercher son épouse, ça sera encore le Père qui lui donnera le go de son retour pour venir chercher son épouse. Car le Père qui est l'auteur du plan du salut de l'humanité reste le principal instigateur qui amène ses plans à son accomplissement final. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été d'accord que les humains ignore l'existence de son Père. Voici ce qu'il a déclaré à Marie lors de sa résurrection. Marie. Rabboni. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Père de lui-même et n'est pas le Dieu de lui-même. Son Dieu est notre Dieu, son Père est notre Père. Souvenez-vous-en, de nos jours, nul n'ignore que c'est le Père lui-même en premier qui avait déclaré que son Fils Jésus-Christ est Dieu comme lui. Et il l'a aussi appelé Seigneur en demandant aux anges d'adorer son Fils comme étant Dieu, comme ils adorent lui-même le Père. C'est écrit dans toutes les versions de vos Bibles. Hébreux chapitre 1, versets 5 à 10. Il est temps de revenir à l'évangile du Christ tel que lui-même l'a enseigné, ainsi que ses apôtres dont le nom se trouve dans la Bible. Parlons maintenant de son avènement. Alors, pour ce qui concerne l'heure et les jours, le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà révélé ces mystères dans la Bible. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour les découvrir. Jésus-Christ connaissait bien les moments qu'il doit revenir. Il en savait même plus sur la période qu'il doit revenir. Lui qui est la parole de Dieu faite chair, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne de Dieu en personne, les reflets de la gloire de Dieu qui est son Père. Jésus-Christ sur la terre savait avec précision exacte l'époque concernant son retour pour l'enlèvement de l'épouse. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il nous avait donné des signes qui caractérisent l'époque de son retour, en nous disant de s'instruire par comparaison à la floraison de la végétation qui marque la fin et le début d'une saison à l'autre. Ces signes que nous appelons les signes de temps. Vous attendrez parler de guerre et des bruits de guerre, disait-il. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il ajouta, il y aura des grands tremblements de terre, des catastrophes naturelles donc, et en divers lieux de peste et des famines. Aux États-Unis, ils surnomment les zombies. Cette drogue très addictive provoque une perte de contrôle quasi totale. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. Les événements que le monde traverse aujourd'hui suivent à la lettre tout ce qu'avait prophétisé le Seigneur Jésus-Christ sur ces temps. Nous y sommes en plein dedans. C'est les temps qu'on appelle la fin des temps. Le Père, dans son amour, nous révèle des mystères cachés de sa parole, comme il avait révélé à Pierre que Jésus est le Messie.
Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il bâtit son église sur la révélation que le Père a donnée à Pierre. Cette révélation dit ceci, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et non, Jésus était lui-même le Père, et lui-même le Fils, et lui-même le Saint-Esprit. La pierre dont parle le Seigneur Jésus-Christ ici, sur laquelle il bâtit son église, c'est la pierre par excellence, qui est la pierre angulaire, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, révélé par le Père lui-même à travers la bouche de l'apôtre Pierre, comme étant Machia, qui est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et non, lui-même était le Père, lui-même est le Fils, et lui-même est le Saint-Esprit. C'est une hérésie d'ignorer l'existence du Père sous prétexte des révélations. Si l'existence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'a témoigné le Seigneur Jésus-Christ lui-même et ses apôtres, vous appelez sa Trinité, le Seigneur Jésus-Christ dit non, car lui et le Père sont un, et le Saint-Esprit est en même temps l'Esprit du Père et celui du Fils. Ici, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit, « Car un enfant nous est né, le Seigneur Jésus-Christ, il est engendré par le Père. C'est un enfant, fils unique, qui est né du Père, vis-à-vis du Père céleste. De son Père, le Seigneur Jésus-Christ est enfant. Un fils nous est donné. Le Seigneur Jésus-Christ est le fils unique de son Père. Vis-à-vis du Père, il est son fils. Et la domination reposera sur son épaule. Il régnera éternellement, en fait. La Bible dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi Père vis-à-vis de nous, parce que c'est lui qui nous a engendrés ou qui nous a donné naissance dans la famille de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vis-à-vis de nous, les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est notre Père. C'est pour ça qu'il est appelé ici Père éternel. Comme tout enfant, tout fils a aussi son Père, le Seigneur Jésus-Christ reste enfant engendré par le Père, reste son fils unique. Il a aussi son Père, qui est aussi notre Père. Ce n'est pas notre grand-père. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marie, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Le Père du Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père. Il est son Dieu, il est aussi notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi Père éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis au monde dans le Seigneur. C'est par lui que nous sommes devenus les enfants de Dieu, bien les enfants du Père. C'est pour ça qu'il est appelé ici Père éternel. Mais il a aussi son Père qui est le Père céleste. Il reste le Fils engendré par le Père, le Fils unique. C'est comme ça? Jean 1, 12, 13, il est écrit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
elle. Pourquoi ils ont utilisé elle ici? Parce que la Bible ici représente le Seigneur Jésus-Christ comme étant la véritable lumière du monde. C'est comme ça la Bible ici utilise elle. Elle a donné, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il nous a mis au monde dans la famille de Dieu, dans la famille de son Père. Lesquels sont nés, nous sommes nés, dans le verset 13, non du sang ou des croisements de hommes et femmes, ni de la volonté de la chair, parce qu'on veut coucher avec une femme, avoir des enfants, non. Ni de la volonté de l'homme. Non, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que c'est la volonté du Père que Christ nous a mis au monde dans le Père. C'est comme ça que le Père du Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père à nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de nous, il est notre Père éternel. Et vis-à-vis de son Père, il est le Fils engendré ou le Fils unique. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, lorsqu'il s'était montré à ses disciples pour la troisième fois, il les avait appelés enfants. Pourquoi? Parce qu'il est Père éternel pour nous. Jean chapitre 21, verset 1 jusqu'à 14. Il est écrit ceci au verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon Pierre, 1. Thomas, 2. Appelé Didyme. Nathanaël, 3. De Cana en Galilée. Les deux fils de Zébédée, ça fait 5. Et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc c'était 7 disciples. Alors la Bible au verset 3 dit ceci. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5, écoutez bien, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, enfant, enfant, Jésus-Christ, pour la première fois, après sa résurrection, il avait appelé ses disciples enfants. Pourquoi? Parce qu'il est Père éternel pour nous. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Je vais sauter pour aller lire directement le verset 14. Il est écrit ceci. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Pour la troisième fois, il avait appelé ses disciples enfants. Il n'y a qu'un père qui peut appeler enfant. Parlons maintenant de ces mystères qui concernent l'heure et les jours de l'enlèvement. La suite après ces flash infos. Aimez la vidéo et abonnez-vous, puis partagez s'il vous plaît, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Savez-vous que Donald Trump est le Messie que Israël attendait? Savez-vous que Israël a imprimé une monnaie à l'effigie de Donald Trump comme leur Messie? Savez-vous qu'il est le seul président du monde qui a déjà vu le plan de la construction du troisième temple et son emplacement? Savez-vous que c'est Donald Trump qui va construire le troisième temple de Salomon? Alors, si c'est lui qui va construire le troisième temple de Salomon, si c'est lui qui est le Messie que Israël attendait, posons-nous la question, n'est-il pas l'antéchrist? À découvrir à la prochaine vidéo, après celle-ci. Après la vidéo de Donald Trump, le Messie d'Israël, vous allez découvrir l'enlèvement de l'Église, les mystères de l'ère révélée, à sa version courte, deuxième partie et fin.
Après la deuxième vidéo de l'enlèvement, vous allez suivre l'apparition de l'Antichrist, miracle massonger. La Bible dit, il apparaîtra avec des prodiges et des miracles massongers. Alors, pour ne pas rater toutes ces vidéos, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez s'il vous plaît. Merci. Parlons maintenant de ces mystères qui concernent l'heure et les jours de l'enlèvement. Luc, chapitre 17, versets 34 à 36. Les secrets de l'ère se trouvent dans ces versets. Maintenant, soyez attentifs. Verset 34. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. En cette nuit-là, la nuit de l'enlèvement. Verset 35. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Cette activité de moudre se faisait principalement les matins. Depuis le désert, les enfants d'Israël sortaient très tôt le matin pour ramasser de la manne qui était des graines. Ensuite, ils les broyaient à l'aide de miel à bras pour les transformer en farine qui leur permettait de fabriquer du pain. Regardez bien cette image. Je vous donne le verset qui vous explique que c'est une activité qui se faisait le matin. Nombre, chapitre 11, verset 7 à verset 9. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du d'hélium. Verset 8. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec du miel. Ça veut dire cette action s'appelle moudre, rendre farine ou poussière de la graine, ou la piler dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Écoutons bien le verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Nous irons maintenant voir à quel moment, à quelle heure exactement cette activité se faisait faire par deux femmes. Regardez bien cette image toujours. Nous allons prendre les livres d'Exode, chapitre 16, au verset 11 jusqu'à 12. Il est écrit, verset 11, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, verset 12, « J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est ce que la Bible appelle ces pains-là, c'était de la manne. La manne était des graines que les femmes devaient moudre. À l'aide d'un appareil fabriqué localement avec deux pierres nommées meule à bras. C'est une activité qui se faisait le matin. C'est parce que Dieu appelait ce pain-là le pain du matin. Au verset 12, je reprends. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël, dit-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Car la manne descendait la nuit avec la rosée et très tôt le matin, les enfants d'Israël devaient les ramasser avant que le soleil se lève, sinon ça devait s'effondre. Après, ils les moudraient pour les transformer en farine qui leur permettait de fabriquer du pain. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, les boulangers se lèvent très tôt le matin, avant le lever du soleil, pour faire du pain. Ça serait pareil les jours de l'enlèvement. Revenons sur notre passage principal, du Luc chapitre 17, au verset 36 maintenant. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, nous voyons directement que le champ se fait la journée, en plein jour.
À plein jour, ce n'est pas la nuit qu'on peut faire les chants. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle concernant l'heure de l'enlèvement. Cet événement mondial et unique trouvera d'autres personnes la nuit en train de dormir. Pour d'autres personnes, l'enlèvement les trouvera la journée en train de travailler. Et d'autres personnes, les retours du Seigneur Jésus-Christ les trouveront très tôt le matin à l'aide de la préparation de pain pour le même enlèvement. Sachant que cet enlèvement se passera une seule fois pour nous tous dans le monde entier, en une seule fois et en même temps. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ ne disait pas qu'il y aura l'enlèvement secret. L'enlèvement secret n'existait pas. Il ne disait pas aussi qu'il y aura plusieurs enlèvements. Non, et archi faux. Donc, les deux hommes qui dormaient ensemble, l'un est pris et l'autre est laissé. De deux femmes qui seront en train de mourir, l'une est prise, l'autre laissée. Et de deux hommes qui travaillent dans les champs, l'un est pris et l'autre laissé. Selon Luc 17, verset 34 avec ses 36. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous expliquait que si les chrétiens qui seront enlevés ces jours-là auront des montres, leurs montres afficheront des heures différentes les unes des autres, c'est par rapport au positionnement de la zone où vous vivez, dans laquelle Dieu vous a disposé vis-à-vis des fuseaux horaires. Et ces fuseaux déterminent l'heure exacte de votre emplacement actuel. Ça veut dire que la nuit pour les uns, la même nuit là est une journée pour d'autres. Et cette journée pour d'autres, s'il est 14 heures pour les uns, pour les autres, c'est 23 heures ou 6 heures du matin. Voici la profondeur de la compréhension du jour et de l'heure de l'enlèvement. Pour les uns, le même enlèvement, leurs montres afficheront, par exemple, 23 heures, l'heure de l'enlèvement. Pour d'autres, leurs montres afficheront, le même enlèvement a eu lieu à 6 heures du matin. Pour un autre groupe encore, leurs montres afficheront que l'enlèvement a eu lieu à 17 heures, par exemple. Pour les calendriers, pareil. Pour les uns, les calendriers afficheront que le jour de l'enlèvement est, par exemple, le lundi. Alors, pour les autres, leur calendrier sera décalé en avance de quelques heures. Donc, ça va afficher qu'ils étaient déjà le mardi. Or, cet enlèvement a eu lieu en même temps et au même moment pour tous. En un mot, l'heure de l'enlèvement dépendra de ta position à toi par rapport au fuseau horaire dans lequel vous vous dépendez. Parce que Dieu a soumis le monde à ce que nous appelons les décalages horaires. Les décalages horaires, parlons-en. En voici l'explication pratique.